Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Une semaine, 15 jours je crois, ça doit être à peu près ça. Donc avant qu'on commence cette petite vidéo, comme vous avez compris, de Booster One Piece, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ci que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, d'activer, de liker, enfin vous connaissez. Donc on va pas traîner et puis on va aller regarder ce qu'on a obtenu dans ces petits boosters. On va voir si on les ouvre tous, mais en tout cas une bonne partie. Bah, allez, c'est parti, générique. Bon allez, on va pas traîner, on en a pas mal, on en a combien, 3, 6, 9, 12, on en a quasiment une quinzaine. On va voir, on va peut-être pas tous les faire, je les garderai pour quelques-unes. Donc on va choisir, on a différents types, hein. On a les comme ceci, voilà. On a encore des comme ceci aussi. Et je crois que on a des comme ça aussi, voilà. Et puis je crois que voilà, je crois que c'est après, sinon les autres c'est tous les mêmes, c'est ça. Donc on va faire quelques-uns de chaque et on verra bien. Donc allez, si on prend déjà 3 comme ça, on va les mettre derrière comme ça, je les ai à proximité. On va prendre 3 comme ceci et 3 comme ça. Après les autres, il m'en reste presque plus, donc c'est pas grave, on va voir combien on en fait. Hein. On va commencer par celui-ci, voilà. Alors, comme je rappelle, elles sont toutes en japonais. Hein. Alors, elles sont toutes de ce sens. Ok. Donc on commence avec celle-ci. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Après, on a ça, elle est sympa aussi. Ah, celle-là, la 8000, elle est sympa, c'est mi-hawk, elle est cool. Après, on a celle-ci. Ah, elle est tombée. On a celle-ci aussi. Ah, celle-là, elle est sympa. On a celle-ci. Et voici la fin. Donc, dans ce petit deck, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ouais, il n'y a vraiment rien de bien particulière, il y a même pas de spécial. Je suis un petit peu déçu de celle-ci, mais bon, elle reste sympa quand même. Donc on va alterner, on va prendre celui-ci maintenant, hein. Allez, hop, essayez de les ouvrir sans niquer les cartes, c'est quand même mieux, parce que s'il y en a quand même une ou deux qui peuvent être sympathiques, ça peut être bien. Bon, alors, cette fois, le paquet, il est ouvert. Donc, on va commencer avec celle-ci. Voilà, c'est un des équipages, je crois, de Big Mom, si je ne me trompe pas. Elle est sympathique. Ensuite, on a celle-ci. Elle est sympa aussi. Elle est sympathique. Ensuite, on a... je ne sais plus comment elle s'appelle... Caro, je crois, si je ne me trompe pas. Elle est chouette. Après, on a ça. Bon, ça, c'est rien d'exceptionnel. J'ai eu un petit souci de carte, elles ont volé. Donc, j'en étais où? Bah, il m'en reste plus qu'une. Si je ne me trompe pas. Et la dernière, c'est celle-ci. Là, voilà. Celle-ci, elle est chouette, voilà. Elle est un petit peu irisée, voilà. Elle est fort sympa. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est Drake, si je me trompe bien. X Drake, c'est ça. Elle est sympa. Donc on va juste séparer, voilà. Hop là, et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Et ben on va prendre une. Celui-ci, voilà. Hop. On va essayer d'ouvrir ce petit paquet comme les autres. J'ai jamais réussi à les ouvrir comme il faut, ces decks, c'est impressionnant. Donc on va pas traîner. Est-ce qu'on enlève tout de suite celle-là? Non, il n'y a pas besoin. Allez, c'est parti, on commence avec celle-ci. Elle est fort sympa, elle est sympathique.
Ensuite, nous avons ceci. C'est pas mal aussi. Après, on a une petite carte. Voilà, rien de plus. Là aussi, sympa, mais rien de plus. Ah, celle des hommes poissons. Je sais plus comment ils s'appellent, parce que ça date vraiment, vraiment longtemps. Mais elle est chouette. Oh putain, elle est belle. Oh, elle est belle, celle de Sandy. Regardez-moi ça. Elle est dorée et tout. Oh là là, qu'elle est belle. Ah, celle-là, elle est vraiment chouette. C'était la dernière. Elle est vraiment cool, vraiment cool. Ça, c'est quand il doit se marier, normalement. Avec Charlotte, c'est ça, la fille de Big Mom. Celle-là, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment chouette. Vraiment cool. Moi, il y a quelques cartes cool dans ces decks. Ensuite, bon, on a pris là, on va recommencer avec celle-ci. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons obtenu. Ce serait bien d'en avoir une ou deux fort sympas. Enfin, encore plus sympa que celle qu'on a déjà eue. Donc, allez hop, on va commencer avec celle-ci, avec un petit mink. Voilà, c'est le chien. Je ne sais jamais son nom, elle est vraiment chouette. Ensuite, on a ceci. Ouais, elle est sympa, hein. Voici la suite. Ça, c'est cool aussi. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, et un petit Zoro, voilà. Et de nouveau, Drake. Qui est sympa. Et voilà, on a fait le tour. Alors, celle-là, elle est... Ouais, elle est sympa. Celle de Zoro, elle est sympa. Je crois que je l'avais pas. Et celle de Drake, non plus, comme ça. Mais elles sont... quand même pas mal, pas mal. Bon, ensuite, on va prendre celle qui est celui-là. Ouais, on va voir. Hein. De toute façon, faut qu'on les ouvre. Hein. Je les ai achetés, donc tant qu'à faire, au moins voir ce qu'il y a de beau. Alors, hop là, on ouvre ceci. Je voulais voir. À première vue, il y en a quelques-unes qui sont sympathiques. On va voir ça. Donc, on commence avec un... C'est un animal des fonds marins. Je ne sais plus comment c'est. Là. Ensuite. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Après, un autre petit personnage. Je ne sais même pas qui c'est. Absolument. Celle-là, elle est cool aussi. Oh, celle-là, elle est fort sympathique. Elle est fort sympa. Elle est fort sympathique. Voilà. Ensuite. Oh, Barbe Noire. Elle est chouette aussi, celle-ci. Ah, celle-là. Oh, fort sympa. Fort intéressant. On voit comme elle est irisée. Elle est vraiment chouette. Et voilà. On a fait le tour. Donc, nous avons au moins Barbe Noire, c'est Teach. Et l'autre, là, je sais plus, c'est un navire, mais je sais plus de quel. Mais les deux sont fort cool, c'est déjà pas mal. Ensuite, alors, quelle poche on prend? Bah, celle-ci, hein, parce que, voilà. Hop. Alors. Allez. C'est parti. Ah, voilà déjà un de la marine. Je sais plus si c'est Aikainu, mais je crois pas. Je ne me souviens plus du nom. Donc ça, c'est sympa. Ah, Jinbei. Notre petite Jinbei, c'est sympa. Celle-ci, ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Je crois que c'est une des... Non, je sais plus. Celle-là, elle est sympa aussi. Ouais, c'est pas mal. Oh, oh, oh. Regardez-moi celle-ci, elle est chouette, c'est Nami. Et voici la dernière, donc celle-là, elle est vraiment chouette, Nami comme ceci, en OP02036. Faudra que je regarde un peu sur internet ce que c'est, un peu plus précisément, mais elle est fort sympathique. Après, les autres, elles sont sympas aussi, mais ah, ça vaut pas notre petit Nami, notre petite Nami. Bon, ensuite, il m'en reste deux. Et une. Donc il nous en reste plus que trois. Donc bah, on va faire celle-ci. Et on fera les deux derniers après. Puis je pense que ça sera bien déjà pour aujourd'hui. Il m'en reste encore quelques-unes à vous présenter prochainement. Alors après, ce qui va après, il m'en restera combien?
2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ouais, c'est très bien, on va faire comme ça. Comme ça, il y aura le même nombre qu'aujourd'hui, puis la dernière fois que je vous en présenterai. Enfin, la dernière fois. En attendant que j'en ai une de nouveau, mais pour l'instant, il n'y en a pas plus. Donc, voici de nouveau un petit ninja de Wano. Le petit chien, enfin l'espèce de chien japonais, qui est fort sympa. Je l'aime beaucoup, celle-là. Les couleurs et tout, elle est vraiment chouette. Après, un gros monstre, voilà. J'ai dû le voir, mais je sais plus. Ah oui, dans le château de Kaido, si je ne me trompe pas. Là. Ah, Chopper, notre petit ami. Ouh. Celle-ci, elle est chouette. Elle est vraiment super chouette. Et si je ne me trompe pas, c'était la dernière. Donc, putain, je me souviens même plus de son nom, celui-là. Ah oui, Captain Kidd. Voilà, c'est Kidd. Il y a aussi Law qui est censé être avec lui. J'aimerais bien l'avoir aussi, Law, comme ça je les ai un peu tous. Mais au moins, on en a déjà quelques-uns des capitaines. C'est déjà pas mal. Donc, on va juste remettre le paquet là, voilà. Donc, il nous en reste deux. On va garder celle-ci de Luffy pour la fin. On va s'attaquer à celle-ci. Hop. Pourtant, il y a une ouverture facile, hein, mais j'y arrive pas. Hein. C'est l'horreur. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas envie, ça veut pas. Enfin. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on a de beau. Hop là. Si je vous les fais comme ça, je peux vous les montrer. Ouais, on peut les faire comme ça. Je vais vous montrer la face comme ça. J'aurais dû commencer comme ça, ça aurait été plus simple. Donc on va commencer avec celle-ci, un petit personnage. Il me dit rien, mais j'ai déjà dû le voir. Lui aussi. Hein, voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Après, on a ça, c'est sympa. Elle est jolie aussi. Là, ensuite, on a ceci. Ceci. Et la dernière qui va arriver, là, qui est Zoro. La voici, comme ceci, en animé. Voilà, elle est vraiment chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Si je ne me trompe pas, une dans ce style comme ça, de Zoro, mais de Shanks. C'est compliqué à la voir, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais bien la voir, comme voilà. Mais celle-là, elle est vraiment chouette, parce que c'est une carte event. Donc, elles sont vraiment chouettes. Et je crois que les autres, elles sont même pas marquées event. Non, c'est marqué juste caractère. Voilà. Ouais, c'est vraiment marqué que caractère. Et là, c'est une event. Donc, c'est vraiment chouette. Hop. Donc, il nous reste malheureusement le dernier paquet pour aujourd'hui. Donc, on va espérer qu'on ait quelque chose fort sympathique dedans, ce serait vraiment chouette. Hop. Allez, viens là mon petit paquet. Voilà. Alors. On va voir. Hein, s'il y en a quelques-unes fort sympas. Alors, comme d'hab. Enfin, je vais faire comme ça maintenant. Je vais vous montrer celle-là, puis je vous montrerai après les autres. Donc on a celle-ci. Voilà. Celle-ci qui est sympa. Ouh oui, nous avons une event et c'est tout bêtement Barbe Blanche. Voici. Eh bien, nous avons encore une autre event. Là où c'est l'équipage de Barbe Blanche. Voilà, elle est vraiment chouette. Nous avons de nouveau un samouraï de Wano. Et la dernière, malheureusement, qui n'est pas Shanks. Hein, voilà. Qui est caractère. Mais c'est celle-ci. Elle est fort sympa aussi. C'est cool, voilà. Donc, malheureusement, c'était les dernières cartes pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite présentation de cartes vous a plu. Je sais que pour l'instant, je ne refais pas trop de vidéos de cuisine parce que malheureusement, j'ai pas le temps ou j'ai pas pour l'instant trop d'idées ou quelque chose qui pourrait... Voilà. Donc, mais j'essaierai de trouver quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire pour pouvoir faire une petite vidéo recette. Je vais bien trouver, voilà. Ne vous en faites pas. Donc en tout cas, on se voit tout prochainement pour une prochaine vidéo. Soyez forts, portez-vous bien, faites attention à vous et à votre famille. Et puis on se voit tout bientôt. Allez, ciao ciao.